Salut Alice. Salut Rodolphe. Je suis venu chercher le livret de famille. Tu me le ramènes, hein? Ah oui, oui, bien sûr. Tu veux dîner avec nous? Non, je peux pas. D'ailleurs, je vais retrouver Antoine à côté. Tu sais, Antoine, c'est le garçon qui a proposé à Alice de venir ici. Je sais très bien qui est Antoine, c'est le fils de la dame à l'écharpe. Quelle écharpe? Non, rien. Arlette pense que je connais bien Antoine. Bah, tu veux venir avec nous? Non, non. Mais Alice, tu sors jamais. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main en permanence. C'est justement pour offrir une place, tu vois, même petite, aux artistes qui refusent de se vendre aux assassins. C'est Kafka qui l'a dit, hein. Mmh. Ah bah finalement, t'as pu venir. Ah oui, c'est bon. Bonjour. Salut. Tu vois, parce que dire je suis contre tout et le vomir partout, ça sert à rien. Il faut une pensée forte, sinon c'est de la paresse. Mmh. Bref. Tu vois quelque chose? Un demi. Rodolphe, non, ça va. On était ensemble au lycée, mais depuis qu'il a HEC, on se voit moins. Je sais, tu m'as dit. Ah oui, c'est vrai. Je me répète. Et ça va avec Arlette, elle est pas trop bavarde? Non, non. J'aime bien écouter, ça me dérange pas. Tiens. Merci. Merci. Attends, c'est pour moi. Non, non, c'est pour moi. Merci, Alice. Et alors, comment ça se passe chez sa grand-mère? Non, c'est bien. Et puis c'est grand. Merci en tout cas. Non, bah de rien, c'est normal. C'est drôle, c'est là que je viens tout le temps pour voir la mer. J'aime beaucoup Aromanche. C'est très Jacques Tati comme ambiance. On boit à part les souvenirs de guerre, mais ici, personne n'est mort. J'aime bien les fleurs au bord des champs. C'est le bordel. Ça donne l'impression que c'était comme ça avant qu'on y soit. Qui on? On, les humains. Ah, les humains. Nos amis, les humains. Quoi? C'est comme tu le dis. Rodolphe m'a dit que t'étais à HEC. C'est bien, non? Ah ouais, HEC, c'est bien. Mais je suis pas très heureux, en vérité. Pourquoi? Je fais de la photo depuis longtemps et j'ai envie d'en faire vraiment. Et tu vas en faire quoi, de tes fleurs? Je vais essayer de les interpréter. On nous demande ça tout le temps. Dire ce qu'on aime et traduire ce qu'on ressent. Ça te plaît? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est comme si une porte s'était ouverte sur un monde immense. Mmh. Mais c'est bête, tu vas faire un détour. Tout va bien. C'est vraiment pas loin. C'est là. Je rentre à Paris demain. Enfin, en voiture, je veux dire. Si tu veux, on peut rentrer ensemble. Non. C'était bien? Ouais. Mais c'est con, t'aurais dû venir.
Et c'est qui le mec qui t'a ramené? C'est Antoine, le fils de la dame et les chats. On s'est croisés par hasard. Je faisais du stop. Tu sais, les bus, faut attendre. L'autre nuit, j'ai vu une émission sur une fille qui est artiste. Elle fait des trucs en tricot avec des moineaux morts. Ça m'a fait penser à toi. Un jour, elle se promenait et elle a marché sur un moineau mort. Et comme elle avait des sandales, elle a senti que c'était froid. Du coup, elle lui a tricoté un gilet pour qu'il ait chaud. Mais ça, c'est Annette Messager, mais elle est très connue. Hein. C'est sympa. T'as vu l'émission? Non. Non, la dame chez qui je vis, elle regarde des DVD. C'est rare chez les vieux. Et elle est toujours gentille? Oui, je l'aime bien. Elle est un peu comme toi, elle est très gourmande. Sauf qu'elle, elle est toute mince. Elle a de la chance. Moi, c'est pareil, je brûle tout. J'ai la X. On nous en a parlé à l'école. Merci. T'aimes bien? Je le connais pas vraiment, mais je pensais que ça t'intéresserait. C'est beau, ça. Pourquoi c'est beau? Ça fait penser à l'art primitif. Je trouve qu'on sent les blessures. Et que ça fait penser à beaucoup de choses, en fait. Oui, mais si tu penses pas, est-ce que tu trouves ça beau? Je sais pas, ça pourrait être un travail mal fait ou une femme qui tisse mal. Pourquoi est-ce que c'est de l'art? La différence, c'est de la démarche. Là, il y a un point de vue. Déjà, le titre, cicatrice, tout de suite, ça évoque le choix de représenter quelque chose. Mais moi, c'est la mode qui m'intéresse. Mais c'est différent, tu vois, c'est utile. Enfin, l'art aussi, ça sert, mais... Enfin, c'est intéressant, mais ça sert pas directement. Ça ouvre la pensée. Au contraire, c'est essentiel. Et la mode aussi, ça peut être de l'art. Non, enfin, je trouve pas. Une robe, aussi belle soit-elle, ça reste une parure. Une robe, c'est un vêtement. À la limite, c'est politique quand Coco Chanel fait sauter le corset. Ou le costard de Saint-Laurent, pour les femmes. Alors, oui, il y a des gens hyper talentueux, mais... le grand manège du luxe et des apparences, j'aime pas tellement. Mais c'est pas ça, pour moi, la mode. Non, mais là, je faisais un peu le coq pour t'impressionner. Je vais y aller. J'ai du travail. Merci pour les livres. Fernando! Ah, c'est dingue! Je l'aime bien, ce type, il est drôle. C'est celui qui crie le plus fort sur le marché. Mais c'est mon beau-père. Ah? Il a l'air sympa, là, comme ça. Il est sympa. Bon, c'est pas difficile d'avoir l'air sympa. Tu lui as dit quoi pour poser? On a parlé de ce qu'il faisait. Je lui ai dit que j'aimais bien les marchés, que je trouvais que c'était un boulot intéressant.